L'anatomie de la scapula. Nous allons l'étudier en suivant le plan suivant. D'abord, la définition et la situation, puis nous aborderons l'orientation de la scapula et nous verrons par la suite la description des faces, des bords et des angles. La scapula, anciennement appelée omoplate, peut être définie comme étant un os pair, plat et asymétrique. Concernant sa situation, nous la verrons sur modèle anatomique. La scapula qu'on voit ici est un os plat qui constitue la partie postérieure de la ceinture scapulaire formée par la scapula en arrière et la clavicule en avant. Pour orienter la scapula, il faut placer la face concave en avant, le bord qui contient une surface articulaire en dehors et le sommet de cet os triangulaire en bas. Donc de ce fait, la scapula que je tiens entre mes mains est une scapula gauche. La scapula est un os qui est plat, donc aplati d'avant en arrière, pair et asymétrique. De ce fait, on va pouvoir lui décrire deux faces, une face antérieure, une face postérieure, trois angles, un angle supéro-médial, un angle inférieur et un angle supérolatéral et trois bords, un bord supérieur, un bord médial et un bord latéral. Après cette description de la forme générale de l'omoplate ou scapula, nous allons procéder à la description des faces, puis des angles et des bords. Concernant les faces, la scapula présente deux faces, une face antérieure qui est dite face ou fosse sous-scapulaire et une face postérieure. La fosse sous-scapulaire ici sur la vue antérieure de la scapula. Sur la vue postérieure de la scapula, on distingue tout d'abord l'épine de la scapula, qui est une saillie osseuse triangulaire présentant une base d'implantation sur l'os et se prolongeant en dehors par l'acromion. Elle divise la face postérieure de la scapula en deux fosses, la fosse suprascapulaire en haut et la fosse infrascapulaire en bas. Au niveau de ces faces, il y a bien entendu des insertions musculaires. Sur la face antérieure ou fosse sous-scapulaire s'insère le muscle subscapulaire. Au niveau de la face postérieure de la scapula, il y a une multitude d'insertions musculaires. Tout d'abord, sur l'épine de la scapula et plus précisément sur son bord supérieur s'insère le muscle trapèze. Sur son bord inférieur s'insère le muscle dentelé. Au niveau de la fosse supra-épineuse s'insère le muscle supra-épineux. Et au niveau de la fosse infra-épineuse s'insère le muscle infra-épineux. Au voisinage du bord latéral de la scapula, il y a l'insertion de deux muscles. Tout d'abord en haut, le muscle teres minor ou petit rang, et en bas, le muscle teres major ou grand rang. Concernant les bords,
La scapula présente trois bords, un bord supérieur, un bord médial et un bord latéral. Le bord supérieur est encore appelé bord cervical. Le bord médial est appelé bord spinal. Il représente le bord le plus long de la scapula. Le bord latéral est dit bord axillaire. Il est oblique en bas et en dedans. Il est le plus large parmi les bords de la scapula et constitue le pilier de la scapula. Au niveau du bord supérieur, on peut décrire l'échancrure coracoïdienne où passe le nerf suprascapulaire. Il existe aussi, implanté sur ce bord supérieur, un processus ou apophyse ressemblant au bec de corbeau ou un doigt semi-fléchi. Ce processus est appelé processus coracoïde. Sur ce processus coracoïde s'insèrent, ici en bleu, des ligaments. Ce sont les ligaments coraco-claviculaires et plusieurs muscles. Le muscle pectoralis minor, petit pectoral, le muscle coraco-brachial et le muscle biceps brachial. Sa courte portion. Au niveau du bord médial ou spinal, est représentée ici en bleu l'insertion du muscle serratus antérieur ou grand dentelé. Au niveau du bord axillaire, sous la cavité glénoïde, s'insère le muscle triceps. Concernant les ongles, la scapula présente trois angles, un angle inférieur où s'insère inconstamment le muscle grand dorsal ou latissimus dorsi, un bord supéromédial où s'insère ici en bleu le muscle angulaire et un bord latéral caractérisé par la présence de la cavité articulaire de la scapula dénommée cavité glénoïde, qui est encroûté de cartilage, qui regarde en haut, en dehors et en avant, et qui présente en bas le tubercule sous-glénoïdien. Le col de la scapula circonscrit la cavité glénoïde. On va commencer par décrire la face antérieure. La face antérieure est une face qui est concave en avant et qu'on peut séparer en deux parties par un sillon transversal qui sépare le quart supérieur plat et les trois quarts inférieurs qui sont concaves en avant. Elle est orientée en bas, d'où le nom de fosse subscapulaire. Elle donne insertion au muscle subscapulaire à sa partie centrale. À sa partie périphérique, elle est faite de deux segments. Un segment latéral qui constitue le pilier de l'omoplate et qui donne aussi insertion au muscle subscapularis. Et un segment médial qui donne insertion au muscle grand dentelé. C'est bon, très bien. Merci. La face postérieure est à l'opposé de la face antérieure. Il est convexe en arrière et caractérisé par la présence d'une saillie osseuse qu'on appelle épine de la scapula. Cette épine de la scapula sépare deux parties de cette face postérieure, les trois quarts inférieurs qu'on appelle fosse infra-épineuse et qui donne insertion au muscle, ici en rouge infra-épineux, et une partie supérieure représentant le quart supérieur de la face postérieure qu'on appelle fosse supra-épineuse et qui donne insertion au muscle supra-épineux. En plus du muscle infra-épineux, la fosse
infra-épineuse donne insertion au voisinage du bord latéral à deux muscles, le muscle petit rond en haut et le muscle grand rond en bas. L'épine de la scapula qui sépare les deux parties de la face postérieure de la scapula est en fait une lame osseuse triangulaire qui est à sommet médial et à base latérale. Elle présente de ce fait deux faces, une face supérieure, une face inférieure. Elle présente trois bords, un bord antérieur qui est soudé à l'os et un bord postérieur caractérisé par la présence d'une saillie vers le bas qu'on appelle tubercule trapézien. Sur ce bord postérieur, on trouve l'insertion sur son segment supérieur du muscle trapèze et sur son bord ou son segment inférieur du muscle deltoïde qui s'étend jusqu'à l'acromion. En plus du bord antérieur et du bord postérieur, l'épine de la scapula présente un bord latéral. Cette épine de la scapula se prolonge en dehors par le processus acromial qui est aplati de haut en bas et qui présente une face supérieure sous-cutanée, une face inférieure qui répond à une bourse synoviale subacromiale, un bord médial où on trouve une facette articulaire qui répond à la clavicule et un bord périphérique qui donne insertion au muscle deltoïde. Le bord supérieur est un bord qui est court, tranchant, caractérisé par la présence au voisinage du processus coracoïdien d'une incisure qu'on appelle incisure scapulaire qui est fermée en haut par le ligament transverse de la scapula et qui laisse passer le nerf suprascapulaire. Elle donne aussi insertion à sa partie moyenne au muscle homo-hyoïdien. Le bord médial de la scapula est le bord le plus long. Il présente deux parties, une partie supérieure représentant le quart et une partie inférieure représentant les trois quarts. Sur la partie supérieure s'insère le muscle élévateur de la scapula. Sur les trois quarts inférieurs s'insèrent les deux muscles rhomboïdes, petit et grand muscle rhomboïde. Le troisième bord de la scapula est le bord latéral qui est caractérisé par un élargissement vers sa partie supérieure formant le tubercule infraglénoïdien ici qui donne insertion à la longue portion du triceps. Parmi les trois angles de la scapula, on trouve l'angle supéromédial qui est situé à la jonction du bord supérieur et du bord médial. Il donne insertion au muscle élévateur de la scapula. L'angle inférieur est un angle aigu qui constitue le sommet du triangle que représente le corps de la scapula et qui donne inconstamment insertion au muscle latissimus dorsi. L'angle le plus important de la scapula est représenté par l'angle supérolatéral. C'est un angle qui présente à décrire trois portions. La première portion articulaire, c'est la cavité glénoïde ou la glène de la scapula. La deuxième portion, c'est le processus coracoïde. Et la troisième portion est le col de la scapula qui rattache la glène au corps de la scapula. La glène de la scapula est une cavité articulaire, ovalaire et sphéroïde, recouverte de cartilage hyalin, qui regarde en avant, en dehors et légèrement en haut,
et qui s'articule avec la tête humérale. Elle présente à sa partie supérieure le tubercule supraglénoïdien qui donne insertion à la longue portion du biceps. Au-dessous de la cavité glénoïde, on trouve le tubercule infraglénoïdien qui lui donne insertion au muscle long triceps. À la partie centrale de la cavité glénoïde, on trouve le tubercule glénoïdien. Le pourtour de la cavité glénoïde, appelé limbus, donne insertion à un fibrocartilage qu'on appelle l'acrum, dont le rôle est d'agrandir cette cavité articulaire pour mieux répondre à la tête humérale. Le processus coracoïde, qu'on voit ici, est appelé comme ça en raison de la forte ressemblance avec le bec de corbeau. Il simule aussi la position d'un doigt demi-fléchi. Ce processus présente deux segments, un segment vertical et un segment horizontal. Le segment vertical présente un bord médial qui donne insertion au ligament transverse supérieur de la scapula, qui ferme l'incisure scapulaire, et un bord médial. Le segment horizontal est aplati de haut en bas et présente de ce fait une face supérieure qui donne insertion au muscle petit pectoral, une face inférieure, un bord antérieur et un bord postérieur, donnant insertion aux différents ligaments qui rattachent le processus coracoïde à l'acromion d'une part et le processus coracoïde à l'humérus d'une autre part. De ce fait, le processus coracoïde participe grandement à la stabilité antérieure de la tête humérale. Entre le segment vertical et le segment horizontal du processus coracoïde existe le segment d'union qui donne insertion au ligament coraco-claviculaire latéral formé de deux portions, le ligament conoïde et le ligament trapézoïde. Le sommet ou apex du processus coracoïde donne insertion au tendon du muscle coracobiceps, qui est un tendon commun du muscle courbiceps et coracobrachial. Après cette anatomie descriptive de la scapula, on dira un mot sur quelques incidences pratiques. Sur le plan palpatoire, il faut savoir qu'il y a certains saillies osseuses qui sont facilement perceptibles sous la peau. C'est le cas du processus acromial, de l'épine de la scapula, du bord spinal et de l'angle inférieur de la scapula. Sur le plan pathologique, les lésions de la scapula sont dominées par la pathologie traumatique, qui est, elle, dominée par la fréquence des luxations scapulo-humérales, et cela est expliqué par le caractère incongruent entre la tête humérale d'une part et la cavité glénoïde d'autre part. Sur le plan traumatique, la scapula peut aussi être le siège de fractures, de l'écaille de la scapula ou encore du col de la scapula. L'autre incidence pratique représentée par la possibilité de lésions paralytiques
du muscle grand dentelé et qui se traduit par ce qu'on appelle scapula alata, qui est un décollement de la scapula par rapport à la cage thoracique.